すげえ子。すごい。綺麗。荒々しいけれど、とても雄大で美しい世界。これは私たち人間が生まれる前の地上の姿です。それはなぜ。まあ、とりあえず頂上から見た遺跡を目指すんだろう。ええ、この平原を西に向かって横断することになります。皆さん慎重に進みましょう。Bonjour tout le monde, c'est Redan, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur YS, la Crimosa of Dana. Et comme vous avez pu le voir sur la petite cinématique avant que je me mette à parler, on a quitté la fameuse jungle de ses morts, hein, la forêt vierge de Titis qui me cassait les couilles, et on est arrivé donc à la plaine de Pangaea, donc qui, je pense, qui nous permet d'accéder assez facilement à la ville qui se trouve normalement par ici. Mais comme vous avez pu le voir, eh ben, on a une contre-attaque à faire. Donc dès qu'on va trouver un point de téléportation, on va se foutre directement au village des naufragés pour essayer de les aider. Parce qu'apparemment, il y a une très grosse attaque qui vient de la mer. Donc va falloir un poil quand même de préparation. Et en même temps, ça nous permettra de faire un peu de pex. Bien entendu, on récupère un maximum de récolte, hein, comme d'habitude, comme à mon habitude. Ça, c'est le petit plaisir que je me fais. Et oh, si c'est un petit lac, ouais. Ça a l'air sympa. Oh. Oh. Dans l'eau, j'ai vu quelque chose. Waouh. Oh, il est gros. Il va nous attaquer, t'es sérieux? Voilà, qui n'est pas une taille courante, c'est encore une créature antique. Ouais, c'est une espèce de sauropode, le plus grand parmi les créatures antiques. Ne me dis pas qu'il va falloir se battre contre ce bestiau. Adol, t'as vu l'engin? C'est le moment de prendre nos jambes d'un coup et de... Ils sont combien là? Ouais. Il vient ou quoi? Attends, Hummel, ne l'attaque pas. Oh. Elle mange des feuilles. Elle est végétarienne, d'accord. Toutes les créatures antiques ne sont pas insatiables carnivores. Je pense qu'il s'agit d'une espèce de fille qui se nourrit des plantes malgré leur taille. Quand on leur donne pas des raisons de le faire, nous ne nous attaquons pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, bon, c'est bien alors. Adol, passons sans faire de bruit pour pas les affoler. Ouais, mais il y a peut-être du poisson. Il y a pas de poisson? Si, il y a du poisson. Pour arrêter ce foutre de ma gueule, il y a un poiscaille là. Ta ta ta. Viens là, petit poisson. Oh, pro touché. Et hop. C'est parti. J'irai le requin. Ou alors la truite. Non, c'est un monstre. C'est pire. Et niveau 37, hein, il est notre niveau à nous. Voilà. Avant qu'on voit... Attendez, là, il y a un truc ici. Pillé en pierre de la plaine de Pangaea. Requis 18, actuel 15. Ah ah. Ah ah. D'accord. Et il y a encore un poisson. Est-ce que c'est encore un monstre? Si c'est le cas, c'est vraiment foutage de gueule.
Ah, probable. Ou alors un poisson que je ne possède pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un poisson que je possède déjà. Un Ruana, donc... c'est pas très intéressant. Malgré la viande blanche. Peut-être la viande blanche qui peut s'avérer être intéressante. Non, on n'a pas récupéré ici. Voilà, c'est ce que je pensais. Et celui-là qui est là, on l'a récupéré? Oui. Très bien. Allez, continuons notre exploration. De toute façon, je pense qu'on peut pas les attaquer, eux, hein. Je pense, hein. Pas de poisson ici. Ce serait dommage. Ah, lui, il attaque. Hey, ça a l'air d'être de sacrés bestiaux qu'il y a ici, là. Surtout, il y a là, celui-là que je regarde derrière, là, qui m'a fait. Lui, là, derrière, là. Il est sacrément gros, hein. Il me rassure pas trop. Là, ici, il y a du poisson. J'aimerais bien essayer de choper tous les poissons du jeu. Surtout les gros, les S. Mais ça a l'air quand même vachement rare. Hein. Ouh! Ouh, allez donc. Le requin. Bon, c'est bien, il nous donne des trucs. Fleurs de rime? Qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas, en tout cas, ça fait quand même des ressources supplémentaires qui pourront servir pour l'amélioration des défenses de la base. Donc, on va pas se permettre de refuser ça. Et puis même, pour échanger en cas de besoin contre des ressources qu'on ne possède pas ou en très peu de quantité. Ça pourrait être relativement pratique. Ah, oh, putain de tricératops de mes couilles. 55. Le bestiau. J'étais pas dedans. M'en fous, je reste comme ça. Je reste derrière toi. M'en fous. Eh la vache, tu déconnes zéro, hein. Oh, Ricotta, comment la bouffe. Humel, ce serait peut-être le moment de bourrer un peu, là. On est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal, hein. On est pas mal, franchement on lui donne pas mal de coups dans la gueule. On est pas mal, il lui reste très peu de vie encore. Ouah, Ricotta l'a bouffé. Oh, elle est toute rouge. Ricotta l'a bouffé. On a ce qu'il faut pour Aise. Ouais, manque. On a une baie du dragon, mais je ne vais pas la claquer. On va claquer plutôt des mangues. L'XP qu'on va se faire. Oh putain, on a même pas level up. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Mais à enregistrer dans le... Dans le bestiaire, hein. Là, attendez, oh. J'ai réussi à battre un monstre niveau 55 alors que je suis niveau 38. Pas mal. Hein. Là, quand même. Ça mérite un petit pouce bleu, moi je dis. Hop, allez, on va aller prendre ça quand même.
les tiges courbées, les larves chaleureuses. Vous, je vous ai tué, déjà tué une fois, donc à la rigueur, je peux vous skip un peu. Permettez, je reprends Adol. Et hop. Attends. Saut guerrier 3. Ah non, non, notre le Triceratops, non, mais il est très bien là, le Triceratops. Hein. Ah ouais, 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 il est très bien là. Pas de poisson. Non, il n'y a pas 40 000 poissons non plus. Et de ce côté-là. Ouh. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Bon, bah, c'est pas plus mal. Oh, il est passif! Ah, bah, je l'ai ouais, je l'ai défoncé. J'étais pas obligé. J'étais pas obligé, mais bon, après, allez, faut pas me marrer. Ça bouffe. Ça bouffe, voilà. L'autre, il essaie absolument de revenir, à devenir, mais... Vas-y, amuse-toi, quoi. Amuse-toi. Alors... Oh, des dodos. Des sortes de dodos bizarres. Niveau 47, t'es sérieux? Mais je fais pas, mais j'ai absolument pas le niveau en fait. Mais il faut le tracer comme pas possible parce que t'as absolument pas le niveau ici. Oh là là. Bon déjà j'ai vu un signe. Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre un feu de camp. Oh, ça pourrait être le père de Ricotta, non? Non, je crois pas. Le feu de mon père sont différents. Je le vois aux bûches consommées. Si Ricotta le dit, ça doit être vrai. Peut-être que lui-même. Non, personne n'est arrivé avant moi. Si on songe, ça pourrait être les autres naufragés qui sont pas encore rencontrés. Mais d'après les apparences, même s'il reste pas grand-chose, on dirait que ce feu date d'une semaine environ. L'auteur du feu n'est peut-être pas loin. Ouais, j'en ai peur. Pour le moment, dépêchons-nous d'aller de l'avant. Ok. Mais moi, je vois lui, là, au fond. Ma portée est pas assez longue, hein. Ouais, d'accord. Faut que je sois dans... sur le rocher, là. Là, le petit coffre, là. Non, c'est bon, il nous emmerde pas. Est-ce que je suis dedans? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Là. Je suis dedans, mais vraiment pas fou, quoi. Vraiment pas fou, quoi. Moi, je dis, j'aime arc-en-ciel. Exact. C'est exact. En fait, t'es pas agressif, toi. Du tout. Il est du tout agressif, en fait. C'est... Si, en fait. Mais en fait, c'est parce que je me suis trop approché. C'est moi, je l'ai cherché. Je l'ai totalement cherché. J'ai vu un gros truc passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bug visuel. Ah, c'est un bug visuel. Oh, le bug visuel ici. Oh, il est ignoble. Il est ignoble, le bug visuel. Oh là là. Monstruosité. Vraiment très, 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 très moche. Alors, ouais, mais moi, je suis pas top rassuré, là. J'ai pas encore de cristaux, de... le point de sauvegarde ou quoi que ce soit en fait là. Donc moi je veux bien, mais il m'en faut un pour pouvoir revenir ici safe, quoi. Si j'en ai pas, c'est ce qui complique fortement ici.
Non, il n'y a pas l'air d'avoir de truc ici. Ouah, il y a un gros là. Qu'est-ce que c'est? Gros arbre là? Grand arbre ancien. Bah non, c'est pas lui. Bah non, c'est pas lui, grand arbre ancien. On peut se le faire le Diplodocus là? Déjà ça, je vois ça. Percer bouclier 3. Bon, c'est pas mal, hein, on fera les trucs après. On peut se le faire là le... Ouais. Oh, 80. Je suis beaucoup moins chaud d'un coup là. 80, on pourrait se prendre une brûlée monumentale. Hein. Ça prendrait aussi un temps monumental. Parce que vous êtes combien vous? 38, donc vous, vous êtes éclatable. Ok, ça va. Et déjà, le niveau 50, on a mis un temps pour le battre. Hein. Là, niveau 80, je sais pas si on a le courage. Hein. Moi, le niveau 80, ça me botte moyen. Je préfère attendre qu'on soit meilleur level up, revenir plus tard et tout ça. Donc à la rigueur, vaut mieux peut-être me le redire qu'on sera dans ces niveaux-là. Et vous me dites, bah tiens Raiden, reviens à cette zone-là qui est là, la plaine de Pangaea contre le Diplodocus à niveau 80. Et à la rigueur, voilà, moi j'y retournerai. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'on va pas le faire. Hein. J'ai bien tenté 2-3 coups, mais on se prend une branlée. Hein. On se prend une branlée. Hein. Bon, alors, quel dégât. Non, non, c'est même pas la peine, les gars. C'est même pas la peine. On annule, on annule, on annule. On annule. Pardon. Pardon. Pardon, j'ai dit. Putain, mais merde. C'est bon, je me suis excusé. On fout la paix. Oh là là, maintenant c'est le dodo qui va me casser les couilles. C'est pas possible. Oh, le dodo, tu me fais chier, là. Attendez, on va au moins raise Adol parce que... Ouf. Ouais. Ok. L'autre il est reparti manger ses feuilles, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, s'il te plaît, tu décèdes. Oui, c'est vrai qu'il me fout quand même quasiment ouais, 8 niveaux dans la gueule. On a 8 niveaux d'écart. Alors, est-ce que c'est normal qu'il y ait un si gros écart ou alors c'est moi qui est vraiment en sous-niveau? Je pense que c'est moi qui est réellement en sous-niveau. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Je crois que c'est moi qui est carrément en sous-niveau. Oh putain la vache, on a des sacrées vues. Hein. Adol, regarde. Il y a plein de vieux bâtiments comme tu les aimes. On est arrivé jusqu'au groupe de ruines que nous visions. Le problème, c'est qu'on dirait que nous sommes dans un cul-de-sac. Nous aurions pu trouver un chemin. En chemin, la route qui menait vers les ruines. Oui, c'est vrai, mais... En tout cas, que diriez-vous de faire une petite pause? Depuis que nous sommes descendus du gendarme, nous avions trouvé nulle part où se cacher et je suis mort de fatigue. Au moins ici, le paysage est joli et c'est un peu un endroit pour récupérer un peu, non? Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de créatures antiques dans le coin. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, on peut dresser un camp aussi. Adol, si on remettait notre recherche dans la route à demain. Ah ouais, mais attendez, il y a le camp quand même qui a besoin de moi? Bon, ok. On n'a pas le choix. Ah, j'ai enfin récupéré. C'est sûr que depuis que nous sommes arrivés ici dans la région du Nord, nous n'avons pas eu trop de temps de nous reposer. Tu l'as dit, ces gigantesques créatures antiques nous ont épuisés. Bien qu'elles ont l'air effrayantes, elles sont naturelles plutôt calmes. J'étais surprise de la créature antique qui avait charmé Ricota. Même les chercheurs qui ne savent pas qu'il existe de telles espèces d'une si grande intelligence. Pas de doute, c'est une des bénédictions de l'évolution. L'évolution. Oui, la forme et la nature des espèces évoluent au fil des générations.
Qu'est-ce que tu racontes? On estime qu'à l'origine, les créatures antiques avaient à peu près l'intelligence de bêtes. Seulement, les adultes ont eu des enfants, puis ces enfants, une fois adultes, ont fait des enfants. Il arrive que ces espèces acquièrent une plus grande intelligence au fil de ces répétitions. Nous appelons tel processus l'évolution. Possible ça? Pour la vérité, nous n'en avons pas la preuve, mais c'est une opinion qui est largement partagée dans la communauté scientifique. C'est un peu comme les enfants qui se souviennent des mots et qui parlent, ça? Ça, c'est pas l'évolution, c'est la croissance. Avec l'évolution, les sujets sont dotés de caractéristiques acquises au moment de leur naissance. Adol, t'as pigé? Bah, ouais, c'est très clair. En tout cas, moi, je suis bien reposé. La miss, c'est une pointure. Si je t'expliquais encore depuis le tout début pour que tu comprennes, que ce soit plus facile à comprendre. Ah, c'est bon pour moi, pitié. Ah, c'est bien dommage. Qu'est-ce que tu as, petite? T'es fatiguée? Oh, elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? C'est l'histoire de la mise qui était trop compliquée, c'est ça? Ah. Quand j'étais dans les pattes de la créature antique, vous m'avez sauvé. Ça, elle a même parlé de famille. Mais c'est comme les familles dans les livres, il y a beaucoup plus de personnes avec vous, je suis contente et je me sens bien. J'ai toujours voulu une famille, et maintenant que vous êtes un peu ma famille, c'est enfin ce que je pense. C'est plutôt pas mal, t'as raison, c'est comme une vraie famille. D'abord, il y a Miss qui est comme une grande sœur. Lashka, la grande sœur. Adol et Hummel seraient tes grands frères. Ouais, pourquoi pas. Et comme tu as déjà un papa, qu'est-ce que je pourrais bien être? Tonton? Papi? Tonton? De toute façon, j'ai un peu l'impression que t'es à l'écart. T'es comme mon père, toujours content et amusant. Ça c'est clair, oui, c'est très gentil ça. Bon allez, il est tard. Allons nous coucher peut-être fin prêt demain. Pete, elle est motivée pour les pioncer. J'ai bien dormi. Ah, c'est sûr, j'ai dormi comme un bébé. Je crois qu'on pourra faire du bon boulot aujourd'hui. Hein? Non, on est réveillé là. Le son est pas normal. Tu as pas fait de raid cette nuit? Mais oui, mais le son, c'est le son qu'on passe de Adol à Dana. C'est quoi ce truc? Attends, encore? En tout cas, je voudrais qu'on y aille, mais ce chemin est une impasse. Nous devrons chercher une autre voie qui mènerait aux ruines. Mais très sans raison, on continue. Regardez. Qu'est-ce que... Le cristal? C'est... Hmm.
Hey, regardez les trucs là. Il y a les trucs là. Les pistes au chemin rouge. L'aventurier est déterminé à rejoindre la capitale royale d'Agius. Visiter les dans les rêves de Dana. J'entends un drôle de bruit. Inspectons le cristal. Puis là, je peux pas retourner moi à la base. Je peux pas y retourner comme ça, c'est ça le truc. Si short de la zone. Ouais, on peut pas y aller comme ça, ok. Niveau cuisson, niveau objet, on est comment? Oh, on a à peu près une 4 de tous. Bon, c'est pas mal. On peut le laisser comme ça, ok. Regardez-moi cette belle vue, magnifique! Et ben, on verra ça pour la prochaine fois. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous connaissez les bails, le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper des futures vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'est Renoson pour servir. À vous les studios. Ciao!